Bon, bienvenue sur SLM Ghetto Live. Bon, je vais vous expliquer vite fait comment j'ai merdé, comment j'ai grillé ma carte graphique en fait. Tu vois, je l'ai acheté, ça fait un an. Ah ouais, un an que je tourne avec. Et en fait, la carte graphique, elle était sale, il y avait beaucoup de poussière. Donc, je l'ai ouverte pour la nettoyer, quoi. Donc du coup voilà, je voulais l'enlever comme ça, ensuite passer avec l'air comprimé pour bien nettoyer et tout. Et j'ai négligé quelque chose à ce niveau-là. Il y a une pâte thermique. Et en fait, dès qu'on enlève le ventilo, il faut remettre de la pâte, il faut gratter. Comme là j'ai gratté, il n'y a plus de pâte à ce niveau-là. Et le truc, je voulais en acheter. Je voulais en acheter, donc je suis parti en magasin. Et ici en Guyane, ils vendent pas de pâte thermique. Et là, j'étais dans la merde. S'ils vendent, mais ils étaient en rupture de stock. Donc là, j'étais dans la merde. Et du coup, j'ai voulu tourner avec ma carte graphique ainsi. Je l'ai fermée. Ensuite, je voulais faire le show, quoi. L'utiliser comme ça en pensant que la pâte thermique n'était pas importante. Et bam, j'ai grillé ma carte graphique. Ma carte graphique à 130 euros. Bon, voilà, c'est comme ça que j'ai niqué ma carte graphique. Et c'est pas super, super quoi. Bon, sinon, je suis super actif sur Facebook et Instagram. Donc, allez me follow là-bas. Ouais, je vais mettre mon Facebook et mon Instagram dans la description. Yes. Sinon, ne faites jamais ça. Franchement, ne faites jamais ça. La pâte thermique est très importante. Sinon, vous niquez votre matériel. Bon, à plus. Yes, I.